soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, bye, bon Dieu, gloire, honneur, louange, même seul mérité. Devant le nom de Jésus, tout Dieu nous doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue doit confesser, c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Et selon Philippiens 2, verset 10 et le verset 11, moi, bye, bon Dieu, gloire, honneur, louange, même seul mérité. Est-ce que le bon privilège pour me capable rentrer la caillou pour me capable dire la paix de Dieu soit avec vous tous. Pour me capable dire shalom, shalom, shalom. Bon Dieu béni, grâce, bon Dieu couvrir. Amen. Moi, c'est ministre Maggie Pierre. Moi, je viens chaque semaine, comme moi toujours dis, ou, que moi, pour me capable venir encourager pour quelques minutes. Amen. M'encourage pour capable tendre, m'encourage pour capable cher, m'encourage pour capable abonner, que, et bon Dieu va bénir davantage. Amen. Et que l'autre des paroles, ça y est. Amen. Que le capable fortifier, que le capable aider. Amen. Pour vie, que nous vivons sur cette terre. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 14, c'est là que nous pourrons parler pour quelques minutes, selon la dictée du Saint-Esprit de Dieu. Hébreux 12, le verset 14, il dit: Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Version créole, il dit: Cherchez vive à cœur posé à tout le monde, mais n'ayons la vie à part pour bon Dieu. Si ce n'est pas ça, pas de monde qui peut le Seigneur. Amen. Et nous voyons que la Bible exhorte nous pour nous capables de vivre en paix avec tout le monde. En paix avec tout le monde. Pour qui ça? C'est parce que, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que monde que bon Dieu est, en tant que monde qui croit dans bon Dieu, qui a servi bon Dieu, la Bible encourage nous et m'a encouragé nous aujourd'hui hein, pour nous vivre en paix avec tout le monde. Nous connaissons chaque monde de façon que agit. Nous connaissons que dans le monde de la vie, dans ce monde de problèmes, de difficultés, de persécutions, de tracas, hein, de maladies, de souffrances. Mais la Bible exhorte nous pour nous vivre avec cœur posé. Quel que soit ça que nous jouons dans ce chemin, pas faire cœur troublé, pas quitter et bagaille ça yo, faire tête ou chaud. On seul bagaille la Bible exhortée pour capable vivre avec en paix et même vivre avec cœur posé, pas quitter cœur peur de sauter. Pour ça, dans Jean 14, verset 27, Jésus te dit, il dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moun ki baille la paix, c'est bon Dieu qui baille, c'est Jésus-Christ qui baille. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le monde que nous vivons là, bon Dieu, exhortez-nous, la Bible, exhortez-nous, exhortez-moi, encouragez-nous pour nous capables de gagner cœur posé, vivre avec cœur posé, chercher vivre avec cœur posé, pour que ça ne soit pas gagner cœur posé, à, ou vivre toute qualité maladie, cœur peut de sauter, libre inquiétude, libre anxiety, et puis libre bon paquet de problèmes, un paquet de maladies. Et puis, là que vous vivez bon côté, monde dans le monde, côté vous vivez là où vous avez un problème, difficulté, tout bagaille ça bouleversé, il bouleverse l'esprit au monde. C'est ça que fait, et maintenant, et bon Dieu t'a inspiré moi pour moi capable de parler de verset ça. Puis ça, c'est parce que dans le monde, la vivre là, nous avons réellement pas gagné la paix. Et là, on a parlé de la paix, on a parlé de la paix qui n'a que les hommes, qui n'a que l'homme, et puis surtout, le monde qui a servi bon Dieu. Bon Dieu, encouragez-nous pour nous capables de vivre avec un cœur qui est posé. Pour que ça, c'est parce que puisqu'on connaît bon Dieu, et puis bon Dieu pour la paix. Qui j'en pour gagner la paix, hein? C'est lire la parole de Dieu. Tendez sa parole, bon Dieu dit. Amen. Et pratiquez-le, et puis vivre d'après. Et j'en bon Dieu mando pour vivre, et puis pour cœur capable de poser les problèmes, difficultés, venir. Et quel soit ça qui paraît devant, pour cœur pas troublé. Amen. Cherchez vivre à cœur posé à tout le monde. Amen. C'est pas à une catégorie monde. Toutes les fois où est-ce que monde voulait vivre en paix avec vous, ou même qui connaît parole là, ou même qui connaît bon Dieu, eh bien, m'encouragez pour capable vivre en paix ensemble avec mon nom. Parce que la Bible exhorte nous pour nous capables chercher, pour nous vivre avec cœur posé, avec la paix, avec tout le monde. Mais n'ayons la vie à part pour bon Dieu. Si c'est pas ça, pas de monde qui peut sauver là, pas de monde qui peut Seigneur, pas de monde qui peut bon Dieu. Amen. Matthieu 5, verset 9, c'est qui ça que lui dit? Je lis pour vous Matthieu 5, le verset 9. Il dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, moun kap chache, vivre à cœur posé avec moun après les petits bon Dieu. Amen. Ou moun kap chache problème, kap chache division, kap chache moun pont.
Ouais, moun sa pap, ouais, Seigneur, pap ka, ouais, bon Dieu, pour qui ça? Parce que Jésus, c'est la paix que les bon Dieu, c'est la paix que les c'est la paix la mandé nous-mêmes, qu'à vivre pour bon Dieu, lui mandé nous pour nous vivre avec un cœur posé. Et non seulement pour nous vivre avec cœur posé, mais pour nous capables vivre avec un cœur posé, et chercher la paix, pour vivre avec la paix avec tout le monde. Si c'est bagage, si le possible, parfois, il y a des gens qui pas veulent vivre, et pas veulent vivre avec cœur posé avec le monde. Ce monde ne sont pas capables de forcer, mais si que, toutes les fois, ça dépend de vous-même, c'est pour chercher vivre en paix avec tout le monde. Pour que ça, c'est parce que nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, qui comptons bon Dieu, nous sommes des lumières mondiales, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, et puis nous sommes celles la terre. Et bon Dieu encourage, la Bible exhorte nous pour nous capables de vivre avec un cœur qui posé. Et non seulement ça, tout m'encourager aujourd'hui hein, pour capable vivre avec cœur posé avec tout le monde. Amen. C'est ça que lui dit le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Ou un monde qui pas vivre avec la paix avec monde qui a cherché monde contre, qui a joué monde et puis qui a cherché attaquer monde dans n'importe quelle façon. Il y a droit on attaque verbale, il y a droit on attaque physique, il y a droit on attaque morale. Et bien monde ça il pas capable de les petits bon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que monde ça simé division, l'a simé problème, l'a simé difficulté et l'a simé la guerre. Côté qui pas gagne la paix, c'est la guerre qui peut gagner. C'est ça que fait la Bible exhorter. Et nous, pour nous, qui ça, pour nous chercher vivre en paix avec tout le monde. Si nous pas vivre en paix avec tout le monde, ça veut dire que c'est la guerre qui peut gagner. Il y a un côté qui t'a supposé, il y a un bagage qui t'a supposé, amen, pour résoudre calmement, amicalement, et puis, qui ça vient gagner, et puis, ouais, c'est la guerre, c'est bataille. Mais la Bible exhorte nous pour nous vivre à cœur posé avec tout le monde. C'est parce qu'elle connaît que y a des problèmes qui sont capables de venir et voir côté l'un, voir côté l'autre, et puis qu'on a l'air que le problème ça va venir pour nous chercher, pour nous résoudre avec la paix. Hein? Pour que ça, c'est parce qu'on a servi bon Dieu. Dans Jean 14, verset 27, il dit que ça, bon Dieu, Jésus bat nous la paix. Il ne pas bat nous, il bat nous paix par là. C'est pas la paix. Le monde a dit comme ça. On gagne la paix là, oui. Après ça, l'entendez, vous entendez un gros problème, gros difficulté qui éclatait. Mais là, Jésus-Christ boit la paix, les problèmes viennent, difficultés viennent, maladies viennent, persécutions viennent, parler mal viennent, moun pa vle wò viennent, moun a fait hypocrisie ensemble avec, ou moun fait jalousie, moun compte ou même, et bien ça pral gagner. Bon Dieu, Jésus-Christ, cet esprit en mettant en paix dans l'esprit, et puis ou pas ébranler. Amen. Pour que ça, c'est parce qu'on connaît que le monde entier est sous la puissance du malin et on connaît que réellement les mouns attaqué, ont cherché à faire la guerre avec vous. On connaît son vieil esprit qui manifestait dans le monde ça et puis qui a venu attaquer vous. Ou même qui gagne la paix de Dieu, non, ou même qui s'en fait, ou kembe lucidité, ou kembe calme, ou kembe la parole de Dieu, et pour prononcer la parole de Dieu, et on connaît qui sa parole, bon Dieu dit, ou supposé vivre avec cœur posé, ou supposé vivre avec cœur posé, non seulement avec monde qui prie, mais quel que soit monde qui voulait vivre avec cœur posé ensemble avec vous, et pour exercer la paix que bon Dieu voit, exercer sur l'autre monde. Ça veut dire que paix que vous gagnez, et puis parler avec un monde, ou réellement encourager un monde qui n'ont problème, difficulté, qui n'ont calamité, et puis qu'on y a paix qui n'ont même pas, et puis qu'on y a parlé, et puis ouais que réellement que mon en béni dans ça que wap dit. Hein. Amen. C'est ça que lié dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. En tant que chrétien, en tant que monde qui compte bon Dieu exhortez nous, la Bible exhortez nous pour nous vivre avec cœur posé avec monde. Amen. Vivre avec cœur posé avec monde. Parce que côté que pas gain cœur posé, c'est trouble qui gagne, c'est confusion qui gagne, c'est problème, difficulté qui gagne. Et là, on côté gain la paix, et bien, on voit que réellement, c'est l'amour qui existait. C'est réellement, c'est yon remet l'autre, c'est yon encadrer l'autre, c'est yon embrasser l'autre, c'est yon encourager l'autre. C'est ça qui gagne, là, gain la paix en côté. Là, entrer dans le cas, supposé gain la paix dans le cas, là, pas supposé gain jouer, pas supposé yon raille l'autre, pas supposé yon pas vle ouais l'autre. Ça vient de l'ennemi. Ça vient du diable. C'est ça que fait moi-même ensemble avec nous. Nous besoin vivre à cœur posé avec tout le monde qui bon côté au monde que vous rencontrez. Si vous en voulez la guerre, et bien qui soit fait, ou écartons de monde ça. Si vous en voulez la guerre, qui soit fait, ou restez loin de monde ça. Parce que ou même c'est la paix que vous avez semé. Parce que Jésus-Christ est venu mettre la paix dans le monde. Là, il est venu. Et malgré ça, vous êtes crucifié. Ou même qui travaille pour mettre la paix. Quel que soit le côté, passez m'encourager. Toujours fait ça.
Pour qui ça? C'est parce qu'on a la paix de Jésus-Christ dans la vie. Parce que Jésus t'a dit dans Jean 4, verset 27, je vous laisse la paix. Jésus t'a quitté la paix pour nous-mêmes. Jésus t'a quitté cœur posé pour moi-même ensemble avec vous. Et puis, je vous donne ma paix. Jésus t'a banni avant, Jésus t'a allé. Il ban nous paix, il quitte la paix et puis il ban nous. So, puisque nous-mêmes qui comptons bon Dieu, nous gagnons la paix, hein, il demande nous pour nous vivre avec cœur posé ça, que le quitter pour nous-mêmes, que le ban nous pour nous vivre ensemble, l'un avec l'autre. Amen. Parce que les chrétiens pas là pour semer division. Ils pas là pour semer rancune. Ils pas là pour semer bagaille qui mal. Chrétiens là pour semer la paix, pour mettre la paix. Côté où t'as mettez au gaz, qui pour t'as fait du feu en prend plus. Amen. Et puis qui soit fait venir avec yon de l'eau. Et puis qu'on y a la gueule et puis du feu à éteindre. Là qu'on côté qu'on suppose gagner bataille, puisqu'on gagne la paix de Jésus-Christ dans la vie. Et mais qui soit gagné, bataille en parfaite. Côté pas pour ta gagne jouer au lieu pour ta jouer avec mon nom et puis ouais c'est mon nom qui fait tort qui gagne tort et puis qu'on y a pas mon nom résolisé et bien OK chez moi OK frère moi et puis qu'on y a bien gagne la paix pour qui ça parce que même là parfois gagne monde qui réellement qui en tort et puis monde ça puisque en tort et puis il voulait passer pour lui-même qui gagne raison et bien puisque mon nom voulait passer pour monde qui gagne raison et bien en tant que monde qui a servi bon Dieu qui gagne la paix de Dieu dans nous-mêmes, Jésus-Christ a quitté la paix pour nous-mêmes, et il bat où la paix, et puis on gagne la paix ça dans nous-mêmes, et bien qu'il soit fait, ou mettez, ou pas quitter le rivet trop loin. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible fait nous connaître, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification. Verset a parlé de la paix et sanctification. De nous parler de sanctification, la Bible parle de sanctification, c'est mettez où à part. Mettez-vous à part, cherchez vivre à cœur posé à tout le monde. Menez la vie à part pour bon Dieu. Si ce n'est pas ça, pas de monde qui a pour être Seigneur. Menez la vie à part pour bon Dieu. Alléluia. Romains 12, le verset 18, c'est qui ça que lui dit? Romains 12, le verset 18, je lis pour vous. Alléluia, merci Seigneur. Le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Le verset 17, c'est qui ça le dit? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien, amen, devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Même le mon cherche au compte, mon cherche à blé réellement, à parler mal ensemble avec vous. Mais qui sont besoin fait? C'est la paix pour mettre. Côté que tu as gagné jouer ou même pas jouer. Pour qui ça, c'est parce que en tant que monde qui compte bon Dieu, qui a pratiqué la parole de Dieu, ou supposé mener la paix. En dedans, il n'y a pas supposé, il y a une bataille avec l'autre, il y a une crasé, brisé. En tant que monde qui compte bon Dieu, c'est la paix qui supposé gagner dans un foyer. C'est la paix qui supposé gagner dans un cas. C'est la paix qui supposé gagner dans un quartier. C'est la paix qui supposé gagner dans un pays. Mais faut que moun sa gagne la paix Jésus-Christ bailan parce que moun nan pou gen la paix réellement que Jésus-Christ bailan faut que moun sa le compte bon Dieu pour que ça soit vrai paix li sorti de Dieu li sorti de Jésus-Christ. Alléluia. Li dit recherchez la paix avec tous et la sanctification Amen. Sans laquelle nous ne verra le Seigneur. S'il possible seme avec frère k'ap tande. Autant que ça dépend de vous-même, cherchez vivre en paix avec tout le monde. Côté un monde réellement abjurer ou même pas non jurer. Pas non jurer. Sou capable mettez la paix, mettez la paix. Sou capable jeter mettez de l'eau côté bon du feu, mettez-li. Pour que ça en tant que monde qui compte bon Dieu, nous supposer semer la paix parce que Jésus-Christ est venu, il est venu semer la paix. Dans 1 Pierre 1, le verset 15, c'est qui ça que lui dit? Je lis pour vous. 1 Pierre 1, le verset 15. Amen. Ma plus verset 14 et 15, il dit, comme
Des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et même le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Bon Dieu m'a demandé pour nous mener une vie à part pour lui-même. La Bible parle de pour nous capables de soyez saints comme votre Père céleste est saint, c'est mener une vie à part pour lui-même. Mener une vie qui sanctifiée, mener une vie que réellement qui fait bon Dieu plaisir, mener une vie réellement qui pas vivre dans des débauches, une vie qui pas dans l'immoralité, une vie que bon Dieu réellement et qui fait bon Dieu plaisir. La Bible fait nous connaître, soyez saints comme votre Père céleste est saint, c'est mettre corps nous à part. Pour qui ça? Pour nous capables de servir bon Dieu. Mettez corps nous à part pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. Mettez corps nous à part pour nous capables réellement, pour nous capables de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la purification. La Bible fait nous connaître que nous capables et réellement, et pour nous capables de mener une vie de sanctification, une vie à part avec bon Dieu. C'est marcher dans la lumière. C'est connaître que nous sommes celle Théa, bonne façon pour nous marcher, bonne façon pour nous agir, bonne façon pour nous parler, bonne façon pour nous réellement procurer la paix, bonne façon, bien-aimé, chemin avec frère dans le Seigneur, pour nous capables de vivre bien, l'un avec l'autre. Encouragement que moi porter pour nous-mêmes chaque semaine. M'encourager pour servir bon Dieu. M'encourager pour marcher avec bon Dieu. M'encourager pour capable réellement vivre en paix avec tout le monde. On monde cap cherche au compte. Sous capable mettez la paix, mettez la paix. Si que mon voulez vivre avec la paix avec vous. Vivre en paix avec mon nom. Mais si vous moun sa vle toujours vle bataille, vle bataille. Et bien, font gens pour capable rester avec la paix de Dieu dans vous-même. Amen. Toutes les fois capable semer la paix, procurer la paix, m'encourager pour capable faire li. Mais tout ça, toutes les fois ça dépend de vous-même pour vivre en paix avec mon nom, vivre li. Si mon nom voulait vivre en paix ensemble avec vous, et bien accepter pour vivre en paix avec lui. Mais si que mon nom pas voulait ou pas capable de forcer mon nom, s'il pas voulait vivre en paix. Amen. Que bon Dieu capable bénir, que bon Dieu capable aider, que bon Dieu capable fortifier vous. Encouragement que me porter pour vous-même. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu as aimé et sauvé, si tu as aimé contre bon Dieu, si tu as aimé si trompette la sonner, alléluia, pour enlever ensemble avec Jésus-Christ, parce que Jésus revient bientôt. M'encourage pour vivre avec cœur posé, yon ak lòt, pas bataille, pas jouer, pas yon ak pede di lòt bagay qui déplacé, pas décourager moun, pas verboli, verbalement. Pika ou ap dekouraje moun, ou ap ekraze moral moun nan, viv an pe, e men lem moun ki kont bon Dja yon kote, li suppose gon pe nan li men, e pi pe ki nan li men nan, aleluya, li mette kote ka suppose gen batay, e pi koun ya vin gon lan moun, vin gen yon kap embrase lot, moun ki gen kap servi bon Dja ki gen la pe nan li men nan, kap viv dan la sanctifikasyon, kap viv yon vi a part, pour bon Dieu, eh bien, monde ça, il vit avec cœur posé, non seulement dans lui-même, dans l'esprit lui-même, dans le corps, dans la vie, li, mais monde la vie, bon côté là, côté y a juré, eh bien, il dit, monde ça, pas juré, non, pas faire une série de bagailles, non, l'encourager, monde là, pour capable de sortir dans ça que lié a, pour que ça, en tant que monde qui gagne la paix, qui a semé la paix, et même qui gagne lumière, qui a brillé, qui c'est celle terre là, eh bien, bon Dieu, relève nous comme nous, c'est celle terre là. Pour qui ça? Parce que l'évangile là, là nous lit l'évangile là, nous pratiquons l'évangile là. Alléluia, nous vin bay l'autre monde goût pour yon servir bon Dieu. Et puisque lumière l'évangile là dans nous-mêmes, nous marchons, nous pratiquons sa parole bon Dieu dit. Hein. Mais puisque nous pratiquons li, et bien lumière qui dans nous-mêmes là, li brille. Et puisque nous marchons avec bon Dieu, et bien nous vins gen paix dans l'esprit, nous nan âme, nous nan corps, nous pas ébranler, nous pas troubler pour toute bagaille. Et puisque nous gagnons la paix dans nous-mêmes, et puis là, nous nan kay la, nous nan l'autre avait dévoré l'autre, et puis qui sont fait mettre l'amour ou embrasser une l'autre. Pour qui ça? Parce que bon Dieu remet nous. Et nous, en tant que chrétiens, nous supposons remet une l'autre. Nous pas supposons bataille, nous pas supposons jouer, nous pas supposons marcher n'importe qui gens, parce que l'évangile, c'est l'amour que lié. Et nous, le monde pas gagne la paix. Nous, à tout côté, nous pas cesser la guerre. Nous, à tout côté, nous n'a tué l'autre. Et tandis que, il y a l'église existait. Nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui l'église, c'est pas,
C'est pas local là m'a parlé. M'a parlé nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, nous-mêmes qui connaissons que bon Dieu existait, nous-mêmes qui croyons dans l'existence de Dieu. M'encourager pour semer la paix. Côté ouais gen bata mettez la paix. Pas fait si du feu volé et les yon kembe ça des pour voltiger li ça tomber sur nous non et puis yo tomber à bataille. You don't do that. Pour que ça c'est parce que en tant que mon cap servi mon Dieu, pas pousser du feu. Mais vraiment, pas pousser du feu. Là où il y a des problèmes, difficultés au côté, c'est la paix pour mettre. Pas faire tête, mon lèvre, ou faire, mon nom, réellement, ouais, mon nom, et à parler, et puis qu'on y a, ouais, mon nom, la pousser du feu, et puis, lui, faire tête, mon nom, et puis qu'on y a, même, ouais, c'est bataille. Ouais, il y a crasé l'autre, il y a brisé l'autre, et là, nous avons gardé quelque chose à côté, nous passer, dans le foyer, dans le quartier, dans l'église, et dans le monde entier. Nous, ouais, réellement, nous, ouais, mon nom, ouais, mais mon yo pa gen la paix dans yo même. L'esprit yo pa gen la paix. Pensez yo pa gen la paix. Pour qui ça? C'est parce que façon que yo agi a li prouvé le seum avec frère moi. On côté qui gen la guerre, ou pa ka di gen la paix la donne. Non, on foyer tout le temps, ouais, mon a bataille, ou pa ka di gen la paix dans foyer ça. C'est action moi même ensemble avec ou qui prouvé réellement. Est-ce que mon sa gen la paix dans l'esprit li? Non, non, ni. Amen. Amen. M'encouragez-vous pour capable de servir bon Dieu. M'encouragez-vous pour marcher avec bon Dieu. Parce que bon Dieu remet. Bon Dieu t'a voulu tout le monde vivre dans la paix. Mais à cause de vous, vous rejetez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Vous pas contre bon Dieu. C'est ça qui fait ouais bagaille ça yo a passé. Nous-mêmes qui comptons bon Dieu. M'encouragez-vous pour semer la paix et vivre avec bon Dieu. Parce que, Hébreux 12, le verset 14, il dit, recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sanctification, c'est mettre à part pour servir bon Dieu. Mettre en vie à part pour bon Dieu. Pour que bon Dieu capable d'utiliser ou gens que livrer. Que bon Dieu capable de bénir ou que bon Dieu capable d'aider ou que bon Dieu capable de fortifier ou. Qu'on est dans Jean 14, verset 7, c'est 27. C'est Jésus qui baille la paix. Ya. Et il baille ou la paix. C'est pour procurer la paix. C'est pour semer la paix. Et puis, mettre en vie de sanctification. Même Jean, Jésus, il était sur la terre. Amen. Il te mène en vie à part pour bon Dieu. Vous souhaitez que bon Dieu est capable de bénir ou que bon Dieu est capable d'aider ou que bon Dieu est capable de fortifier ou que bon Dieu est capable et réellement mettre la paix dans l'esprit ou et toutes les fois vous capable de vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Et quel que soit sacrivo dans la vie, bon Dieu a toujours aidé ou. Vous semez la paix. Vive en paix avec tout le monde qui veut vivre en paix ensemble avec vous. Quand on a un problème, difficulté, ou on n'a pas voulu la paix, eh bien, que mes distances pour que ça c'est parce que on pas voulait réellement dès que mon n'a pas voulu la paix et puis on forcer mon pour vivre en paix ensemble avec ou pour problème pour difficulté que mon Dieu capable bénir que mon Dieu capable aider que mon Dieu capable fortifier ou amen c'était servante au ministère Maggie Pierre et nawe bientôt God bless you amen.